l'écoute de votre radio. Sur l'internet, vous êtes n'importe où dans le monde, vous pouvez nous écouter avec vos smartphones, vos ordinateurs, tablettes, je ne sais pas quoi, en tapant ici et maintenant.com. Voilà. Après, vous avez des familles, des amis partout dans le monde. Vous dites, voilà, par exemple, moi, je participe sur cette antenne, je m'exprime sur cette antenne. En même temps, toi aussi, si tu veux m'écouter, voilà, il suffit de taper ici et maintenant.com. Après, vous avez vos familles, vos amis, et dans le monde entier, n'importe où, pour vous écouter. Après, ici en France, Île-de-France, élargissez le champ d'écoute de votre radio. Informez vos amis, et c'est votre antenne, c'est vous que vous parlez, c'est vous que vous exprimez. Alors donnez les informations de votre station à tout le monde, 95.2 FM, sinon ici et maintenant.com. Et récemment, vous savez, ça fait des années, grâce à l'initiative de Didier Doplech, nous sommes présents sur DAB aussi. Et là aussi, c'est très intéressant parce que c'est radio de demain. Demain, c'est déjà arrivé pour la plupart des gens, pour vous aussi sans aucun doute. Vous pouvez écouter votre radio n'importe où que vous êtes, hein, n'importe où que vous êtes. Surtout moi, je pense que c'est ici et maintenant.com, c'est la meilleure façon d'écouter la radio, ici et maintenant.com. Et tout à l'heure, moi, j'ai reçu un message sur mon portable des États-Unis, de Los Angeles, et qu'il y avait une famille en train de nous écouter, francophone, à l'époque, était ici, cette famille. Ça fait des années qu'ils sont là-bas, parce que vous savez, il y a beaucoup des Perses qui se sont voyagés là-bas. Il est avocat, et là-bas, c'est presque 3h15 d'après-midi dans son bureau. Alors, il est en train de nous écouter, il m'envoie un message, vous voyez. C'est délicat, vous pouvez faire la même chose avec vos familles, vos amis, et les informer comme quoi ils peuvent vous écouter. Voilà. Bonsoir, c'est qui? Ça va, Mera, vous allez bien? Ah, c'est Léa, ne quittez pas Léa, je vous prends tout de suite. Voilà, nous avons Léa avec nous, et moi, je m'arrête de parler, et on va prendre Léa. Léa, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va bien, est-ce que vous m'entendez là? Alors, c'est exprès que vous parlez un peu doucement, puisque les autres, ils dorment, c'est ça? Ouais. Mais il faut parler un peu plus fort que les gens, ils vous entendent, chère Léa. Je vous écoute, on vous écoute, ouais. Voilà, vous êtes tout l'antenne. Oui, ben, je relève un petit peu ce que disait, c'était Max tout à l'heure. Exact, c'était Max. À propos de la société, mais oui, ben, moi, il y a longtemps, je me suis rendu compte que c'est même plus une question du gouvernement. Je pense qu'ils sont dépassés. Moi, je l'ai vu déjà depuis des années. Bon, ça va aller comme je te pousse dans certains domaines. Et puis, voilà, je pense qu'ils sont tous dépassés, c'est tout. Parce que on est nombreux sur la Terre, et puis toutes ces lois qui s'entremêlent comme ça, il y a des fois, on comprend même rien dans les lois, ils savent même plus où ils en sont, ils en ont tellement créé que... Moi j'ai vu qu'ils étaient dépassés à un moment, et 5-6 ans avant, mon frère m'avait tenu le même langage, il m'avait dit « ils sont dépassés ». Et j'ai dit, mais tu crois? Il m'a dit, ils sont dépassés. Et quelques temps plus tard, c'est moi qui le disais. Je disais, mais ils sont dépassés, punaise. Et c'est pas rassurant. Mais c'est pas rassurant pour qui? Pour les jeunes qui viennent, là, parce que eux, ils vont devoir vivre, ce qui est normal. Mais c'est pour eux, parce que nous, bon, peut-être que moi, je veux dire, moi, je continue mon petit chemin comme ça, bon, ça va. Mais moi, je crois qu'ils sont dépassés depuis longtemps. Et je l'ai senti dans le monde qu'on vit de tous les jours, vraiment la réalité. C'est-à-dire les transports, les machins, les trucs. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est devenu?
Et c'est pas ce nouveau monde, comment il est devenu. C'est... Et je pense qu'ils n'arrivent pas à... Il y a trop de problèmes, trop de difficultés. Quand on entend, par exemple, des émissions comme vous entendez, par exemple, les émissions de tous les jours, la RMC, tout ça, chacun dit son point de vue, mais je crois que les gens, il y a du tout et son contraire dans les discussions, tout ça. Je pense que il y a quelque chose qu'on maîtrise plus. Alors, comment c'est venu comme ça, c'est venu, je sais pas. Mais il a raison quand il a dit « j'ai pas fait d'enfant », il a dit Max tout à l'heure, ben oui, parce que j'ai entendu une émission, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, et j'en ai entendu un peu partout, un petit peu partout, qui disaient « je veux pas faire d'enfant ». Alors quand on en arrive à ce que des jeunes comme ça qu'on a vu devant eux, qui sont beaux, qui vont se marier, qui vont pas faire d'enfant, parce qu'ils ont peur. Alors, c'est la fin de tout. Alors, quand on dit, bon, tout le monde, bah, les gens, ils vont faire des enfants quand même, voilà, il y en a qu'on fond, mais je veux dire, s'ils disent tout ça, alors il n'y a plus rien. Mais, bon, on a de la marge encore, parce qu'il y a du monde sur la Terre, hein. Dieu bénisse, il y a encore du monde. Mais, et, voilà, monsieur Abbasi, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vu une certaine évolution dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc c'est pas rassurant pour ceux qui arrivent derrière, je suis désolée pour eux. Bon, peut-être qu'ils verront les choses autrement, ils vont s'habituer à ce monde comme il est là, mais nos gouvernements sont tous dépassés, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y en a un qui dit A, l'autre qui dit B derrière, l'autre qui va dire C, l'autre qui va dire D, et voilà, parce que même eux, qui vont critiquer, ils se... Ils feront pareil. Enfin, ils feront d'autres choses dans d'autres domaines, mais ils seront critiqués de la même façon, parce que le mot d'enfin, ils sont tous dépassés. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'être là. Et je vous remercie. Je remercie Morgane et Philippe. On n'a pas souvent l'occasion de remercier quand on passe à l'antenne. Ça nous paraît naturel comme l'eau qui coule du robinet. Voilà. Mais ils sont là, et c'est bien pour nous. Et je vous embrasse à tous. À bientôt, monsieur Bastien. Au revoir. Merci, Sheila. Bonsoir. À très bientôt. Merci de votre intelligence positive, votre intervention positive, qui était formidable. Je vous remercie beaucoup. Nous avons besoin des femmes, des gens, des hommes comme Léa, qui viennent pour donner l'espoir et être positif dans la vie. Vous voyez, c'est vrai, il y a beaucoup de mal dans la vie, beaucoup de problèmes, surtout actuellement, il y en a trop. Mais ce que Léa elle vient de dire, c'est très intéressant, il faut tenir compte. Et moi, je vous rajoute en vous disant, quand vous sortez de chez vous le matin, au lieu de dormir jusqu'à midi, 13h, 14h, ça sera mieux de sortir, et même si vous n'avez rien à faire, à 8h, 7h du matin, parce que c'est bien de dormir, mais c'est bien de se lever aussi un peu tôt. Après l'après-midi, vous pouvez dormir pour récupérer. Et essayez de changer votre vie. Changer votre vie, c'est possible. Et vous devez l'essayer. Et prenez David Abbasi comme exemple. Je ne sais pas que vous ne savez pas, mais moi je vais vous dire. Voilà. Ma vie, c'est une histoire formidable. Vous savez, j'étais comme vous, je suis toujours comme vous, je suis comme vous. Voilà, nous sommes toutes et tous pareils. Dans ma famille, mon père était tellement généreux, il ne manquait rien de tout. Ma mère était tellement gentille. N'importe quelle école que je voulais, il m'inscrivait. Même je me rappelle pour le lycée, il venait de m'informer. Voilà, j'étais inscrit dans tel lycée. Et moi, j'étais fâché. Non, je veux pas de ce lycée-là. Je veux ce lycée-là. Le nom de ce lycée à l'époque, c'était Jahane Nou, le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde était juste à côté, à Mashhad, en Iran, était juste à côté de les statues et musées et jardins de Nader Shah. Nader Shah, c'est un grand roi perse à l'époque
qu'il a poursuivi les voleurs et les assassins qui attaquaient l'Iran, même jusqu'à l'Inde, parce qu'il a demandé à l'Inde à l'époque de le rendre ces assassins qui avaient tué énormément de gens, qu'il ne les a pas rendus. Il a attaqué jusque-là pour tuer les assassins qui avaient tué son peuple. Après Nader Shah, c'est actuellement la reine d'Angleterre, l'objet le plus important concernant l'argent, hein, qui coûte, qui le porte de temps en temps, c'est l'objet qu'ils ont volé d'Iran, qui à l'époque, Nader Shah, il avait volé de l'Inde. Voilà. Alors, moi, j'ai dit, je voulais m'inscrire à John and No, le Nouveau Monde. Et j'avais, comme vous savez, voilà, l'âge d'aller au lycée. John and No, c'est-à-dire ma famille, c'était bien, voilà. Mais dans ma vie, j'ai décidé de faire des choses. Et dès que j'ai décidé, j'ai commencé à travailler aussi. Je n'avais pas besoin, mais j'ai travaillé depuis l'âge de 12 ans. L'été, là-bas, à l'époque, c'était 3 mois, pas 2 mois. C'était 3 mois l'été, vacances et scolaires, 3 mois, fin d'école, et pour commencer, ça durait 3 mois. Chaque année, ces 3 mois-là, j'ai travaillé. Je travaillais à droite, à gauche, mais moi-même, et j'apprenais des choses. C'est-à-dire, c'est comme les stages. Ici, on dit passer un stage, mais moi, j'ai travaillé. Le travail de temps en temps aussi était tellement dur, mais ce n'était pas pour l'argent, puisque je touchais l'argent aussi, mais c'était pour apprendre. Et j'ai appris énormément de choses. Après, dans ma vie, je suis arrivé à certains points que jamais, même pas, je ne pouvais pas rêver. Je ne pouvais pas rêver. Vous savez, je suis un écrivain modeste, votre ami. Un écrivain que je recevais depuis 40 ans, voilà, des mots gentils, qu'ils soient des présidents, des ministres français et des intellectuels du monde entier, américains, canadiens, puisqu'ils ont lu mes livres. Ils ont lu, ils ont acheté, ils ont lu. Et la même chose pour la société et personnes dans le monde entier, qu'ils soient fils du Shah d'Iran ou la fille du Shah d'Iran, qu'il me disait que tu étais notre maître, moi j'ai appris des choses de toi, les deux qui étaient assassinés. Les deux qui étaient assassinés, les deux enfants de Shah. Ou les enfants des ayatollahs, que je suis contre ces gens-là depuis 40 ans, par exemple Hassan Rouhani. Vous ne savez pas ça, je vais vous dire pour la première fois. Hassan Rouhani était ancien président iranien. Lui-même, il a tué son fils il y a une vingtaine d'années. Puisque son fils, on ne sait pas si lui qui a tué son fils ou quelqu'un d'autre, mais de toute façon son fils a été tué devant sa voiture, devant chez lui, à Téhéran, avec le pistolet de son père. Et lui, il était en contact avec moi, et lui, il avait quitté l'islam. Vous savez qu'actuellement, il y a énormément d'ex-musulmans. Moi, sur cette antenne, j'avais invité Nasrin Taslimeh, qui récemment il a fait un article dans Le Monde, Ibn Varraq, qui a écrit son bouquin « Pourquoi je ne suis pas musulman ?» et Salman Rushdie, par écrit, il m'avait répondu à l'époque qu'on était tour de Seine, et vous savez que même verset satanique, il a écrit en 1988, moi je l'avais donné historiquement, les références dans mon bouquin « Les secrets de l'islam » qui a été sorti en 1984, que je parle de versets sataniques. Enfin, c'est-à-dire les grandes personnalités, qu'ils soient des fils de Zayatollah ou un autre personnage aussi, c'est Mohsin Rezaei, il était chef des gardiens révolutionnaires iraniens, il est toujours vice-président en Iran, c'est un connard. De premier rang, c'est un assassin puisqu'il était chef de pastoral, mais son fils Ahmad Rezaei était un de mes amis fidèle à mes idées. Je l'avais rencontré plusieurs fois à Los Angeles devant des centaines de personnes. Il venait me voir et même il a parlé. Il a dit qu'il n'est plus musulman
Il a contesté le pouvoir iranien, etc., etc. Après, je ne veux pas vous raconter des personnalités que moi, j'ai rêvé de les voir. Moi, je n'ai pas pu voir le Shah d'Iran, mais son frère qui était très important dans le pouvoir iranien, un jour, quand il m'a voué, on se voyait plusieurs fois, mais une fois, à la fin de sa vie, il est sorti de... sous cravate, sous sa chemise, l'aigle. Nous avons l'aigle que je l'avais annoncé comme quoi symbole de Perse. L'aigle, c'est comme statue de Jésus qu'il est crucifié parce que ça s'est emprunté de ça. Il m'a montré ça, il a dit, regarde David, moi aussi je suis avec toi. Et je pleurais à ce moment-là. Je pleurais. Et des choses comme ça, énormes, des mots gentils énormes. Des mots gentils qu'Henri Caillavé a écrit pour moi. Et comme Henri Caillavé, pour d'autres personnes, l'homme de loi européenne, Henri Caillavé, c'est quelqu'un. Pour la plupart de vous, vous ne le connaissez pas, puisque vous ne lisez pas l'histoire, tout ça. Mais je veux vous dire, tout ça, j'ai pas voulu la totalité. Mais puisque j'ai sorti de chez moi, j'ai commencé à parler, à écrire, à bouger le cul, il faut le bouger, et grâce à Dieu, j'ai obtenu énormément de choses que même pas je ne pouvais pas rêver, mes amis. Alors c'est ça que, suite à la propos très intelligent de Léa, je veux vous dire, malgré qu'on dit le monde pourri, mais nous pouvons changer notre monde de nous. Nous pouvons le changer. Et vous devez le changer, votre monde. Vous pouvez le faire. N'importe quel âge que vous avez, de n'importe quelle famille, de n'importe quelle société que vous êtes, vous pouvez le changer. Je vous donne un dernier exemple. Il y a déjà 2 semaines, j'étais dans un parc quelque part à Paris. Et je vois quelqu'un vient devant moi et mon fils et ma femme et tout ça. Il dit « Bonjour, je suis Philippe Patati. » Élu, tatati, tatata. Ah, je suis ravi, patati. Ah, alors, je veux devenir maire de telle ville, banlieue parisienne. Enfin, hein. On a parlé pendant 30 minutes et tout de suite, j'ai compris cette personne. Son origine n'était pas Philippe. Et je suis ravi, puisque c'est moi que je vous ai demandé ça. Il a déjà 40 ans sur cette antenne. J'ai dit, changez vos noms. Si vous voulez intégrer dans la... Ce n'est pas Zemmour qui parle, c'est David Abbassi. Hein. J'avais parlé avant lui, mais après notre temps. Pour avantage de possibilités d'avoir dans la société que vous vivez, vous devez vous adapter. Le gars, il va vous appeler, il va... si tu es Flip, Max, Michel... Pour lui, il est plus à l'aise. Ce n'est pas question de raciste, je ne sais pas quoi. Non, vous francilisez votre nom. C'est très important. Après, à la fin, j'ai dit, ah oui, vous êtes ça. Ah, il a dit, voilà, je suis du nord d'Afrique, ex-musulman. Il a bien précisé de dire qu'il était ex-musulman. Il a changé de prénom, et son fils aussi. Après, on a parlé sur plein de choses. Et puisque je n'avais pas l'autorisation de donner son nom, en plus, si je donne, c'est bien pour lui, puisqu'il va devenir maire. Alors lui, son métier était garde-corps, était vigile. Même il m'a raconté à l'âge de 9 ans ou 11 ans, il avait des problèmes avec la justice, etc., etc. Mais il était vigile. Il était garde-corps d'une des personnes que vous le connaissez actuellement. Il est sur le sein politique des partis politiques. Que, voilà. Mais lui, tout d'un coup, il décide de devenir quelqu'un lui-même. Et il a réussi le coup. Il est élu. Et c'est très important. Comme Philippe, je connais énormément de gens. Vous êtes n'importe où. Vous êtes n'importe qui. Soyez positif, sortez de chez vous, même s'il y a les guerres ou la guerre ou des problèmes, vous pouvez avancer dans la société. Heureusement, en France, vous avez la possibilité d'avancer si vous devenez comme Rachida Dati ou d'autres. Rachida Dati, il est arrivé à la justice française, c'est très important.
Même pas, il n'avait pas changé son nom et prénom, Rachidé Dati. C'est très intéressant, les possibilités que vous avez ici en France. Pour le large, ça existe aux États-Unis, au Canada, etc. L'Occident n'est pas mal. Il y a certaines critiques envers certaines politiques, mais n'est pas mal. L'Occident, c'est le nouveau monde de progrès, de sagesse, que vous, si vous vous adaptez avec ce nouveau monde, vous allez voir que vous allez être à l'aise. Tout à l'heure, notre ami, il a dit, voilà, l'acteur de cinéma est devenu de théâtre. Président, vous savez, le nouveau monde, le patron de nouveau monde, un des patrons de nouveau monde, un jour, il m'a dit, David, moi, je suis capable, dans quelques années, de mettre un carotte quelque part, comme président, comme dirigeant, comme guide, et je gouverne par télécommande, par l'informatique. Et il a réussi. L'acteur de cinéma, ce n'est pas seulement maintenant, ou de théâtre, Reagan, Ronald Reagan, Reagan ou Reagan, aux États-Unis, Arnold Schwarzenegger, c'était des acteurs de cinéma. En plus, les acteurs de cinéma, ils jouent mieux, puisqu'ils sont acteurs. Les politiciens, c'est des acteurs de cinéma. C'est des acteurs. Mais parmi ces acteurs, il y a des gens qui jouent pour le côté qui les a fait élus, et également, ils jouent pour le peuple, en faveur du peuple. Imaginez-vous, ça, Emmanuel Macron, depuis qu'il est président, il y a énormément de projets qu'il a fait en disant « Oh, il est président des riches, président... » Par contre, ça, c'était bien, puisque quand vous l'avez dit trop et beaucoup, il est président de riches, il a arrêté certaines choses qui étaient dans le programme à le faire. Pour les riches, il ne l'a pas fait. Il y avait certains programmes aussi, il a fait en faveur des pauvres. Il a fait certaines choses. Jusqu'à possible. Hein. Voilà. Pour ça, mes chers amis, vous avez encore quelques temps pour intervenir. Je vous remercie de vos interventions très intelligentes. Et n'oubliez pas la guerre d'Ukraine. C'est comme toutes les autres guerres, va durer, va continuer, il ne va pas s'arrêter tout de suite. Il faut s'adapter avec ça. 08 92 23 95 20. On est là pour...